Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'est Delkino, il s'agit de l'épisode numéro 2 de Titan Souls. On est parti, on a buté 6 boss déjà, on est mort 114 fois, j'avais même pas percuté qu'il y a les stats ici. Voilà, ok. 114 morts, 6 boss, c'est bien, moi je trouve c'est bien. Je resterai tout le life comme la dernière fois, cool OSC, cool cool. Allez, alors on était resté, déjà comment ça marche, je fais ça comme ça, et je tire comme ça, ok. Je la récupère comme ça, ça marche. Je crois qu'on était parti sur le Yeti, je sais plus où il est par là. Ah puis on avait fait Mumuse à allumer les torches aussi. Je vois qu'il y en a une autre là. Potentiellement, il faudrait pouvoir l'allumer mais je vois pas d'à partir d'où, on verra bien. Bref. T'es mort 160 toi, eh ben. Après hein, ça dépend des mobs que t'as fait, des boss que t'as fait aussi. Ok. Ah, sur le live de 12h. D'accord, ouais, c'est ok. Ok. Je compris. Alors, bon, bah, c'est parti. Hein. Ok, non, ça c'est fait. Ça c'est. Voilà, ça c'est fait. Donc, c'est pas le moment de tirer. Va falloir essayer de trouver. Donc, si j'ai bien vu la dernière fois, à mon avis, il faut lui tirer dans les fesses. Parce qu'à mon avis, à un moment donné, il expose son postérieur. Bon, je vais essayer de dodge plutôt que d'essayer de tirer sur un. Sur ce truc. Pour... On va essayer de dodge. Voilà. Oh, d'accord, ok. Il refait une baboule après. D'accord. Faudrait que... Ouais. Une fois que je serai... En fait, j'ai l'impression que c'est la... C'est le... Le truc à faire dans ce jeu-là, c'est de... D'être confortable avec l'esquive de tous les patterns du mob. Et après... Ok. Ah merde. Ah d'accord, ok. Et après il va sauter dessus, d'accord. Eh bordel. Est-ce qu'il y a un intérêt à péter les boules de neige ici? Je pense pas. Hein. Ok, bah après, le live de 12h, je sais pas s'il aura lieu. Hein. On verra. Encore une fois... Donc je me suis... Ah d'accord. Parce que les boules de neige en fait ne tuent pas. Mais par contre se faire balancer par une boule de neige, se faire percuter par une boule de neige et se faire envoyer dans le mur, ça, ça tue. T'as capté un truc, Avia? Vas-y, dis. Dis. Il fait mal. Bah en fait dans ce jeu tout fait mal. Final. Ah mais ta race! De toute façon, on peut lire le texte en bas ou pas? Le texte de... De quel texte tu parles, Jim là-haut? C'est vrai, quand ça tombe du plafond, il monte ses fesses. Bah ouais, c'est ça! Il faut que je lui tire dessus, quand il fait ça, en fait. À mon avis. Donc en fait... Bah, j'essaye, hein. J'essaye, mais c'est pas facile. T'as fait un stream narratif sur le jeu. Ah, cool. Quand le boss démarre, il y a un texte en bas. C'est pas le nom du boss. Mais j'ai l'impression que c'est des glyphes, non? Ouais, je vois pas ce que c'est. Je vois pas comment on pourrait lire ça, en fait, Jimmy. Ça pète les... Okay.
Et là, ils se retrouvent tout le temps. Oh merde. Ça, ça tue aussi, d'accord. On l'avait vu sur tous les boss, il y a ça en fait, j'aime là-haut, mais je sais pas comment le traduire. Je me demande si c'est pas. Pas fini le jeu une fois ou une connerie comme ça. Je me demande s'il faudrait pas avoir mettre la flèche et le faire en retour. Merde, sérieusement? Et on peut pas le... Ça sert à quoi de tirer la flèche là? Ça. Est-ce qu'on peut allumer autre chose? Ça, ça fait même pas fond de la neige, c'est marrant. Ok. Bon, de toute façon, pas trop le choix. Hein. Faut le buter. Hein. Faut tous les buter de toute façon. C'est juste une question de placement, hein, je pense. Mais la question, c'est où se placer. Ah, il faudrait que je me mette, faudrait que j'arrive derrière en fait quand tu fais ça. Ouais, c'est ça. Ok. Ah mais. Ouais, d'accord. Ah putain. Ah. Merde. Ah, c'était pas mal. Ok, c'est ce qu'il faut que je fasse. Il faut que quand il roule, il faut que je le dodge et que j'arrive. Que je me place derrière lui en fait. Ok, allez. Objectif. Le cucu. Il faut finir le jeu, le texte est lisible quand on refait le jeu. Ah bah c'est ce que je disais. C'est ce que je m'en doutais, c'était évident. Merde. Je pensais que c'était ça ou alors le finir dans un mode particulier. Putain, j'arrive même plus à être. Mais hé hey. Ah, par exemple, là c'était pas mal. Là c'était pas mal. Ok, je vais y arriver. J'arrive. Et en plus, j'aime le spoil. Enfin, là c'est pas dramatique au final. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé le découvrir par moi-même, voir si j'avais raison. À la fin du jeu, j'aurais été là. Oh là là, j'ai hâte de voir si c'est vrai ce que je disais. Oh là 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 là. Bah maintenant, tant pis. Que ça va être là. Non, c'est pas bon. Par contre. Ah, super. Elle qui va pas refaire le jeu. Non, je referai pas le jeu. En général, non. Si. Enfin, ça arrive que j'y rejoue, mais je le fais pas en stream, quoi. Bon allez là, stop suffit là. Merde. Je sais pas pourquoi j'ai tenté là, c'était un peu débile. Je me demande si d'ailleurs il n'y aurait pas moyen de le buter direct en fait. Oh, attendez. Yeti Old Snow Beast. Non, bah après, voilà. Est-ce que... ça paraît très con, mais... Ah! Il se tourne quand même. Je me disais, si ça se trouve, il a son cucu direct dès le début. Mais non. Apparemment, il a pas de cucu dès le début. Il a un cucu blindé. C'est ballot. Est-ce qu'on peut peut-être lui tourner autour? Attendez. Il est assis sur un truc en fait, c'est ça?
Ah là 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 là. Papa fait fesse, exactement. Exactement. Ça conserve l'ambiance mystique où rien n'est expliqué, d'avoir un autre alphabet. Ouais. C'est pas mal, et c'est logique d'avoir à tout faire pour pouvoir comprendre les choses après. Je pense que c'est ça ce qu'il faut faire. Mais comme pas mal de... Enfin, ce jeu-là, c'est un petit peu du YOLO quand même, hein, je trouve. Enfin... Pas mal de trucs random. Mauvais, je suis mal placé. C'est pas à ce moment-là qu'il faut que je fasse. Oh, genre! Putain, et ça, ça me... Ouais, on peut marcher sur la flèche pour récupérer, ouais. Le prototype, fallait absolument pour... fallait absolument appuyer sur le bouton pour l'attirer. C'est possible. Ouais. Ça serait un peu chiant, mais... En fait, quel pattern va avoir les vont avoir les stalactites en fait. Oh putain. Un peu stressant, bah ouais, ça fait... C'est bien. Attention, ouais, c'est à force de mettre des capas, on va finir par plus jamais te prendre au sérieux. Ça, c'est un petit peu comme Pierre et le loup. À force de faire le troll... Enfin, Pierre et le troll, je devrais dire, en fait. Hop. Ouais, ça va être là. Putain, fucking stalactite! Je l'avais sinon. Je l'avais là. Je l'avais. Je vois pas trop quoi lui faire à part lui tirer une flèche au hasard. Bah, c'est pas au hasard. Faut tirer dans le. Dans le boule là. Faut tirer dans le popotin.
Ouais, c'est des moments où on se dit tiens, tiens. Ouais, c'est pas faux. J'imagine, à regarder. Coucou Iron. Mon dieu, Iron de nuit. Que se passe-t-il? Comment vas-tu, Iron? Non, sérieusement. Oh, ma flèche. J'avais peut-être une chance là en fait. Ah putain. Non. Ah non. Tu te fous de ma gueule. Putain, je suis arrivé devant là. Je voulais... Genre, ça l'aurait fait sinon. Ça l'aurait fait. SOS, elle qui? SOS, elle qui? Elle qui a besoin d'aide? Je répète, elle qui lui a besoin d'aide? Non, ça va? Pourquoi? Je comprends pas. C'est toi, Pierre. C'est toi, Pierre. C'est pas moi, Pierre. Moi, je suis le loup. Bah, ça va, carrément, Iron. Carrément, carrément. Ça va même mieux depuis que t'es là, je veux dire. Oh, putain. J'ai rien dit. Chier. La neige, ça fait mal. Non, mais c'est vrai. Attention avec la neige. Ok, allez. J'imagine que je peux pas les tirer dessus sur le côté. Oh le bordel de merde. Ah ouais, c'est qui fait son rigolo. Il est temps de briser la glace entre nous. Lol. Non, la glace est en train de se former entre nous là. Ouais, oh! Au contraire. T'abuses, le Yeti. Hein. T'abuses. Putain, non. Foiré, va. Ah là 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 là! T'as tenté de lui tirer dessus quand il roule? Non. Non mais c'est tellement évident, j'aime la... Enfin, si tu veux, on peut le faire, mais... Ah merde, putain. Je suis sûr à 99,99% qu'il faut lui tirer dans le cul quand il s'arrête. Juste pour voir. Ok. Voilà, quand tu dis ça, t'as raison. Ouais, c'est pas facile non plus hein, de lui tirer dessus quand il roule, sachant que... sachant qu'après, il va me sauter dessus, en fait. Donc, non. Je pense que c'est une très mauvaise technique, Jim Lao. Et Kino et Bigfoot, c'est grand pied, ouais. C'est Bruno le grand pied. Oh! Yes! Dans le cul! C'est le cas de le dire. Avec la flèche plantée dedans. Yes! Merci. Ça fait 7. Ok. Bye bye Bruno. On t'aimait bien. Sans lube, ça fait mal quoi.
Oh, Jim là-haut. Quand même, là. Non. Je pouvais passer par là, en fait. Ok, donc il en reste deux. J'imagine qu'il y en a un là-haut. C'est l'histoire d'Elkino et Bigfoot qui mangent une glace. Ah ouais, mais attendez, là. Oh, ok. The fuck? Faut tirer où? Faut que je tire dans les nœuds. Ah, puis ça fait mal quand ça touche ce truc là. Oh là là, Naoshi, coucou, bienvenue. Comment vas-tu? Oh là là, un boss sans changer de zone. Eh ouais, il y en a trois sur cette zone là, a priori. On a déjà buté un. Je comprends pas trop là. Oh si, je crois que je comprends. Il faut peut-être enflammer les bordels là en fait. Du coup. On avait déjà enflammé le bordel à droite pour aller à droite là. Voilà, c'est ouvert. Mais. Ah, on peut grimper là, dites donc. Mais on n'a pas enflammé. C'est pour sortir là, j'imagine. Je sais pas. T'arrives au meilleur moment? Ah ouais? C'est le boss le plus dur du jeu, c'est ça? Ils disent tous ça. Bon, est-ce que. Oh, je crois que je comprends un truc. Si je me mets. Ah ouais, mais non. Si, si, regardez. Si je tire la flèche là. Non. Si je tire la flèche. Deux secondes. Si. Non. Si je tire. Je le refais. Si je tire la flèche. Non, il faudrait que je la mette. Si je tire la flèche comme ça et que je la tire à moi, elle s'enflamme. Ce qui veut dire que potentiellement, si je me mets là-haut, derrière le bras zéro, peut-être que je vais arriver à l'enflammer. Puisque a priori, là. Ok. On va voir. Est-ce que la flèche s'enflamme longtemps par terre? Oh, on a la même idée, ouais, on avait la même idée. Maintenant, faut que je la place, la flèche. Ou alors, attendez. Ah non. En fait, faudrait peut-être que je fasse autrement. Je la tire comme ça. Ou alors, attendez. Ah putain, il y en a pas qui sont. Peut-être qu'il faut que j'utilise celui-là en fait. Mais le truc en attirant. Ouais, c'est ce que je veux faire. On a la même idée, effectivement. Truc, c'est que je pense pas. On va essayer, hein. Elle est bloquée. Elle est bien bloquée là en fait. Je me demande s'il y a moi et franchement. Bah si, hein. Ça me paraît quand même pas mal balèze en fait. De faire ça. En laissant la flèche sous un brasier du bas. Ouais, mais c'est pas facile de faire ça. Genre, tu veux dire. Ok. Genre là. On est d'accord. Il faudrait que je me mette genre ici. Ah. Oh, ouais. Ouais, y a moyen. Y a moyen, mais putain, on va falloir le calculer, hein.
Ça va, on arrive pour la chasse au Père Noël. Ah, pardon, la chasse au Père Noël, évidemment. Merde. Faut que je bute ça aussi. Ok. Ok. Ici. Ah, y'a moyen, t'as raison. Y'a moyen. Y'a moyen, y'a grave moyen, mais il faut vraiment bien la placer, quoi. Là, j'étais pas... Hein. Il faudrait que je la place... Comme ça, là. Ah merde, elle est trop... En fait, je dois pouvoir la... Comme ça, là. C'est super chaud. C'est pas, tu peux pas juste la mettre à côté d'un brasier en bas, tirer faible. Non, je peux faire voilà, là comme ça. Mais tirer faiblement, si, mais c'est chaud. Ok, donc par exemple là. Je me mets. Ah non! Ok, on va y arriver. On va y arriver. Là. Comme ça. Et je me mets. Comme ça. Yes! Ah mais attendez. Ok. Va falloir faire la même là. Ah non. Non. Ah non, c'est trop con. Oh, attends, sérieux? Non. J'y ai cru, hein. Pourquoi on fait ça? Je sais pas. Je sais pas du tout pourquoi on fait ça. Ah non! Ah mais en fait, attends, est-ce que... La question c'est, est-ce que je peux leur monter l'escalier? Ouais, je peux, ok. Donc faudrait... Ok. Ah, c'est abusé. Pourquoi... Notre héros continue à sa quête. Allumer des torches. Non mais attends, c'est super intéressant. Je suis sûr que ça fait un truc, moi. Je suis sûr que ça fait un truc de faire ça. Ouais, mais c'est qu'il faut vraiment... Comme ça. Oh, tu te fous de ma gueule, le jeu. Mais je peux pas, vraiment pas tirer à partir d'en bas, là. Non, je pensais à un autre jeu, tu connais Jotun? Je connais, ouais, mais j'y ai pas joué. Un jour, peut-être. On peut peut-être faire des ricochets? Non, c'est pas possible. Oh! Yes! Ok. Ça a fait quelque chose? Ça a rien fait du tout. Ok. Merde! Ah, je suis déçu. Peut-être qu'une fois qu'on aura buté le boss, il y aura un truc en fait. Bah allez. Merde.
Est-ce que je peux savoir? Oh, d'accord. C'est les dents qu'il faut taper? Eh merde. Sprouch. T'as pas tout allumé? Non, j'ai pas tout allumé. On va pas se faire chier. La dernière fois, j'ai allumé... La dernière fois, on a fait fondre le truc à droite, là. Mais hormis ça, non, on a pas tout allumé. Tant pis. Ouais, ça s'est éteint. Et Spwish. C'est toi, Spwish. Oh, il faut péter les dents avant. Comment on fait? Oh là là, attendez là. Oh. Je peux faire pour péter, je peux pas péter les dents là. Il faudrait du feu peut-être pour péter les dents. Je crois que c'est aussi un jeu d'exploration avec seulement des boss. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Comment est-ce que je sais? Ah, il va tirer. Oh, d'accord. Ok. J'ai compris. Allez. Allez, remonte. Putain. Ah non, non, non. Non, 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 non. Ah, dommage. Tu viens de tester mon idée. Ton idée? Ton idée que t'as eue en même temps que moi, c'est ça? Donc c'est ton idée. Non, mais espèce de gym là-haut, quoi. Le boss qui se fait mal tout seul. Ouais, c'est ça, il faut lui péter les dents, je pense, et après, il va falloir lui décocher une flèche, quoi. En fait, il tire vers moi, en fait. Merde! Je savais pas où j'étais. Non! Putain de fucking... Son souffle, en fait, il repousse. Du coup, je me suis fait avoir. Raja. Il est con, ce boss, à se faire mal tout seul, non, je veux dire. Stop hitting yourself. Stop hitting yourself. Merde. Non, non, non. Parce que je voulais faire. N'importe quoi. Eh, hey, je toune. Je sais qu'il y a Blacky qui l'a fait, je crois. C'est intéressant de le faire à l'occasion. Ça m'a fait peur. Mais t'arrêtes. Montre-moi tes dents. Ah! Fais chier! Non, 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 non! Oh putain. C'est un peu con la glace qui tue quand on marche dedans. Oui, je trouve aussi. Je trouve aussi. Mais je pense que ça serait beaucoup plus simple si il n'y avait pas ça, en fait. Je me demande s'il y a... Ah. En fait, généralement, j'aurais pu lui décocher un truc dès le début. Et je me demande s'il y a besoin de péter toutes les dents ou quoi. Oh putain. Chier. Faut chier.
Après Titan Souls, je sais pas si ça sera. Ça dépendra quand on finira, mais ce sera soit Bloodborne, soit Thunderbolt. Je suis en manque de Metroidvania aussi. Genre. Ouais, j'avais pas besoin de lui péter toutes les dents en fait. Ouais, voilà. Comme t'as dit, Giblao. Exactement. Je vire la caméra à chaque fois, je me dis que ça fait son petit effet. Bien. Est-ce que ça aurait été intéressant de monter les flammes là alors? Non, je pense pas. T'as tué combien de boss? C'est le 8e là. Me semble-t-il. Il nous en reste un sur cette zone. Qui donc est là-bas. On a ouvert le passage la dernière fois en fait. Oh, ça glisse. Et je sens que ça va être un boss où on va glisser. Je vais pas aimer. Oh là là. Oh, c'est un. Ok. Oh là là. Ah, c'est vrai, je peux pas tirer. Oh, sérieusement. Je vais pouvoir tirer de flèches que sur les. Que sur les plateformes, en fait. Oh, faut lui tirer sur la queue-queue, d'accord. Hein. Wow! Ouais, d'accord. Putain! Non, mais c'est peut-être quelque chose quand on allume tous les brasiers. On fera ça après. Et là, on peut le brûler. Je sais pas. Peut-être. On fera ça après, Jimlo. Je veux tuer le boss, là. Je veux tuer cette fucking anguille. Ok. Billy-doo. Billy-doo. Alors. Ouais, d'accord. Quand il sort. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Toi, what? Oh putain, il faut un coup d'électricité dans l'eau et il faut pas être dans l'eau à ce moment-là. Ok. Ça, c'est pas chouette. Ça, c'est pas chouette. Ça bouge quand on tire. Ah, j'ai même pas percuté. Voilà. Eh ben. Putain, je... Ok. Je suis pas... Mais putain, ça c'est lourdin, je sais. C'est trop chaud de trouver un moment où le tirer dessus. Ouais, c'est clair, mais ça va venir, ça va venir. Il va falloir... Faut analyser le bordel, en fait. Je pense que... Pour l'instant, trouver comment tirer, ça a pas été...
Déjà, trouver où tirer, c'est facile. Trouver comment réussir à trouver... Enfin, trouver la fenêtre, l'ouverture pour le faire, c'est plus difficile. Et après, le faire, ça, c'est super chaud. Voilà. Et en fait, ok, la queue rose redescend au même endroit où la tête a... Ce qui est logique. Ok. Ouais, parce que le truc, c'est que... Oh, est-ce que je peux... Oh merde. Est-ce que je peux attirer la flèche quand je suis dans la flotte? Parce que si ça se trouve, du coup, je peux peut-être lui donner un coup... je peux peut-être lui tirer la flèche dessus, en fait, en la tirant vers moi. Pendant que je nage, en fait. Alors, je reste ici, mettons. Non, ça marche pas. Elle est où la flèche? T'es où la flèche? Ah, mais putain! Au final, c'est presque un jeu de réflexion, ce genre de jeu. Oh, Pom, coucou! Bienvenue! On a tué le Yeti et le monsieur avec ses grandes dents. Faut peut-être être dans l'eau à côté d'une plateforme. Si tu te chutes dessus, tu montes sur la plateforme, il tombe dans l'eau, t'as le temps de visiter. Ouais. Yep. Ah non, je peux pas attirer la flèche quand je suis dans l'eau. Ok. C'est. C'est intéressant, ça. Attendez là. Découverte. Exactement. Ça va peut-être... On sait pas, hein. Ouais, mais là, non. Ça peut-être être... Oh, faut que je fasse gaffe. Ça va bien, Pomme. Attends, je m'attendais pas à te voir ici... aujourd'hui. C'est cool. Bah oui, c'est ce que je suis en train de faire. Je place les plateformes à l'avance, exactement. Du coup, elles seront plus proches. C'est ce que j'essaie de faire, en fait. Du coup, elles seront beaucoup plus proches. Et ça va être beaucoup plus simple. En théorie, hein. Après, je suis peut-être en train de passer trois plombes à faire ça pour rien. Parce que si je crève, je l'aurais fait pour rien. J'ai vu de la lumière sur Twitch, alors voilà, ok, cool, ça va bien, ok, cool. Tant mieux. Oh. Ok, allez. Merde. Ah! Après, quand il n'y a plus de plateforme. Ah, mais putain! Ah, oh! Oh, ça les remet au même endroit. Par contre, là, c'est pas forcément une bonne idée, là.
C'est pas facile quand même, hein. C'est pas facile, hein. Oh merde, Spooch. C'est ouais. Préparation. C'est plus facile, mais c'est pas non plus la grosse joie. Je sais pas si ça vaut le coup en fait. Si, ça vaut le coup, hein. Ça vaut carrément le coup, on est d'accord. Maintenant, peut-être que je peux faire. Attends. C'est un truc en plus, c'est qu'il faut faire attention de pas viser le. Le gong. Mais ça me paraît être une meilleure idée. J'ai survécu beaucoup plus longtemps. Hein. Par contre, faut tirer sur la queue-queue. Hein, après le cucu du Yeti, voici la queue-queue de la murène. C'est dommage, il n'y a pas marque pour faire les couettes là. C'est une jolie couette ça. Sinon, tu testes mon idée de rester dans l'eau à côté d'une plateforme, je sais pas trop. Oui, c'est une bonne idée aussi. Mais. Oui, c'est vrai qu'on remarque qu'il n'y a pas forcément besoin. Je pense que, ouais, ton idée, elle est pas déconnante non plus, mais là, je sais pas, je tripe là. Ouais. Ouais. Les fesses toutes roses du Yeti, ouais. Il était cool le Yeti. Je sais pas combien de fois je suis mort dessus, pas mal quand même. Mais là, c'est long à préparer tout ça, dites donc. Ok. Ouais, mais après. Sérieusement? C'est pas facile, hein? Non, non! Pas là. Pourquoi? Je me demande si vraiment il y a. Oh, genre. Oh! J'y arrive pas, hein. J'y arrive vraiment pas, quoi. Donc là, il va aller sur celle qui est pétée. Ah non. Ok, j'ai rien dit. Il faut le timer comme pas possible, c'est ça? Oh, mais genre! Eh! Titanic, j'ai fait. Eh! Mais c'est pas juste ça! Mais c'est pas juste ça! J'ai eu un achievement, mais c'est vraiment pas juste, je trouve. C'est chaud de viser, en fait, c'est pas chaud de viser la direction générale de la queue. Mais c'est chaud de tirer, de lâcher en fait au bon moment. De décocher la flèche au bon moment. Bon, je vais essayer de. De faire ton idée. J'ai mort. Oh.
En fait, si je reste ici. Ah, il la pète quand même, en fait. Il va péter forcément une plateforme, en fait. Ouais. Je triche, ça y est. C'était quoi le succès? Ça s'appelait Titanic, je crois. C'est que regarde comment je fais. Je vois pas trop comment faire en fait. Jim Lao avec ta technique. Parce que j'ai pas le temps de. Vu que je peux tirer que sur les plateformes. Du coup, j'ai vraiment pas le temps en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu peux juste rester dans l'eau? Genre, je reste ici? Et monter sur la plateforme quand il saute. Ouais, mais. Et non, t'as. Parce que regarde, si je reste dans l'eau à côté de la plateforme, t'as pas vu? Il détruit la plateforme qui est à côté, qui est la plus proche en fait. C'est bien le problème. Même si je reste assez loin de la plateforme en fait. Donc j'ai vraiment l'impression que... Que... Voilà quoi. Bah voilà, le mieux c'est de préparer le terrain effectivement. J'ai l'impression. Je pense que quelqu'un qui connaît bien le jeu et un peu plus qu'il est, y arriverait autrement, mais là je vois pas. On est pas obligé de mettre tous les bouts de glace, je sais pas. Faire à peu près quoi. C'est pas mal n'empêche les le fait qu'il y ait de la physique comme ça, je trouve. Hein. Enfin, celui-là il est pas bien, il est pas bien mis celui-là. Genre. Yes! C'était juste une question de timing en fait. Et puis j'ai les pieds qui me grattent! Nom de Dieu! Il fait froid, c'est pour ça! Aïe! Donne-moi ma flèche, toi. Merci. Câlin pomme, câlin. Go faire des câlins à pomme là. Une pomme, il dit qu'elle veut des câlins. Il dit pas ça tout le temps. Ok. On peut se casser. Cassons-nous. C'est tout pourri ici. Non, c'était pas mal. J'aimais bien, hein. J'ai bien aimé cette rencontre là. Là. Tadam. Voilà, vous voulez tout enflammer, c'est ça? Allez, on peut tenter ça. On va tout enflammer. Tous les coups, c'est juste pour un fucking achievement.
suis sûr. Je suis sûr que c'est pour un bête achievement en fait. Non, non, non. Tac. Tac. Tester de brûler l'arbre. Tester de brûler l'arbre. Donc, pour brûler l'arbre, on a, il faut. Ah, peut-être le faire par l'autre côté en fait. Ça sert à quoi les flammes? Alors, ça a servi à faire fondre. Il y avait la porte du boss là, tu vois, qui est à droite. Et ben, il y avait normalement. Il y avait une porte de glace en fait, et on l'a fait fondre. Ok. On peut pas passer comme ça. Pas de soucis, bien. Ok. Donc, est-ce qu'on peut brûler l'arbre par là? Ok. Si je visais mieux, ça serait bien. Non! On peut pas brûler l'arbre, Jimlo. Par là. Il n'y a pas de. Ok, là, il n'y a pas de brasier. Donc, moi, je suis sûr que ça sert à rien, en fait. Mais bon, on va se refaire la même technique que tout à l'heure. C'est chaud, quand même. Hein. Merde. Là. Les escaliers, il y a peut-être moyen de jouer avec les rebonds pour faire plus simple. Et j'ai un doute quand même. J'ai un gros gros doute quand même. Ah, one shot. One shot. L'escalier. Où n'est l'escalier? Merde, là-bas. Reviens. Ok, bah, reviens par là. Aïe. Yes. Une fois qu'on sait ce qu'il faut faire, hein. Ok. Bon, bah, voilà. Alors, peut-être qu'il faut... peut-être que qu'il faut le faire là-bas, pour le boss, là. Non, ça arrive pas jusqu'au bout. Ok, bon ben... ça sert à rien. Heureusement qu'on n'a pas passé trois plombes là à refaire. Hein. Mais alors si je me plante pas, hein, y a pas de... Alors attendez, on va péter tous les... Il y en a peut-être d'autres qui traînent en fait. Je sais pas où on peut aller là. Qu'est-ce qui se passe? On vient de là ou qu'est-ce qui se passe là? Ok. Je sais pas ce que c'est ici. Et de toute façon, regarde, si, si là, juste en zonant comme ça, ça éteint les bras zéro, je pense qu'il n'y a rien à faire. Hein. Ou alors c'est vraiment des vicieux. C'est possible hein, que ce soit des vicieux, mais bon. Voilà, ça les a éteints. Bon, alors maintenant, faut savoir où est-ce qu'il faut... où est-ce qu'il faut aller, en fait, surtout. Donc, il y avait une autre sortie ou entrée, je sais pas, par là. C'était un lieu étrange, tout à fait. Très étrange. Plus que ça, même. Un lieu bizarre. Qu'est-ce que c'est qu'ici? Ah, oh là là, c'est un ascenseur, d'accord. Bon, donc on a fait ce monde-là, on a fait deux mondes-là, c'est ça? Si je ne me plante pas. C'est nouveau, là? Ah! C'est nouveau. Les flumes.
trouver un bind, faut trouver un bind avant de mourir. Non, on peut pas mourir en fait, mais bon. Enfin. Je pense pas. Oui, un bind. Tada ! Ok. Donc, si ça marche pareil, il y en a un à gauche, un à droite et un en haut. Donc, un à gauche. Là, c'est quoi là ? C'est rien, ok. Là. Nouveau boss, nouveau boss. Bonjour, monsieur le boss. Que. Oh là là. Pas l'air commode, lui. Donc il roule, il fait des traînées à la con et il faut le tirer dans l'œil débile. C'est ça? Ah ouais, mais. Si tu fermes le chemin, monsieur là. Je pense qu'il va falloir le flinguer vite, vite lui en fait. Parce que s'il fait des traînées de flammes comme ça non-stop et qu'elles disparaissent pas, on aura l'air con. Enfin, à mon avis, je me fais buter par les flammes, on est d'accord. Oh, j'ai essayé. Hein. Ouais, sprouch. Squish. Y'a moyen de speedrun ce boss, tu crois? Y'a moyen de speedrun le jeu, je pense, de toute façon. C'est comme le premier de glace. De plus en plus gros. Quoi? Ouais, mais là c'est vraiment du. Là c'est du YOLO quoi. Ce que je suis en train de faire. Enfin, du semi-YOLO on va dire. Comment mourir des millions de fois parce que le boss est juste là? Oui, mais. Ah, mais. Qu'est-ce que tu veux que j'aligne? Oh! Je me demande si vraiment s'il y a moyen de. Je sais pas. Si je time bien le truc, il y a peut-être moi effectivement de le buter direct. Non, c'est. Ouais, mais. Il y a quelque chose qui me gêne. Il y a. Je sais. Je pense que. Je pense que c'est. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Ah si, ça s'éteint. Ah ouais, d'accord, mais super. Mets-toi tout près. Mais le truc, c'est que je pense qu'il monte son œil en fait. Donc je pense que... Parce que je peux pas tirer en l'air, hein, on est d'accord. Je pense qu'il... Quand il se retourne au début... L'œil est pas forcément sur la même ligne en fait. Mais... Ah, tiens. Je voulais tester. Donc je peux me mettre tout près, mais pas trop près en fait. Il y a près et il y a trop près. Ce qui est logique, remarquez. C'est tout à fait logique. Ok, je me mets là, genre. Ah, c'est trop chaud. De la mort easy. Non, je pense que... Je pense qu'il faut pas se la gérer comme ça. En plus, la musique a pas le temps de démarrer, donc c'est pas logique. Je pense que les devs, ils veulent vraiment qu'on écoute leur musique quand même la première fois, moi. Ouais, il saute, c'est ce que je pense. C'est pour ça que je pense que c'est pas gérable.
Peut-être... Non. C'est humiliation quand même là. Ah, hop. Essayer de capter un petit peu comment il fonctionne. Oh, c'est super chaud. Et j'ai mes pieds qui me grattent. Au secours. Je m'arrachais la peau des pieds. C'est nul. J'aime bien mes pieds, moi. Sprouch. On peut le faire, on peut le prendre à contre-pied, en fait. Quelque part, c'est pas mal comme information. Ah! Et quand il fait ça, là. Bon, c'est pareil que le Yeti, là, il va falloir... Enfin, refaire jusqu'à ce que ça passe. C'est pareil qu'un peu tous, en fait. C'est... Je crois que c'est un truc qui m'embête avec ce jeu, en fait. C'est que... C'est sympa, mais... Oh putain! Ça brûle! Aïe! Mais il est bien ce jeu. J'aime bien. J'aime bien, mais... Il faut être réactif un petit peu. Faut réactionner. Faut réactionner du... De la roulette. J'étais en train de me demander, vous croyez que le héros là, c'est un garçon, c'est une nana ou c'est aucun des deux? Ouais, mais qu'est-ce que je fais moi là? Non, sérieusement. Que fais-je? À part Bli. Oh. Oh là là. Mais putain. Oh, c'est mort. Ah non. Ah, j'ai peut-être... J'aime bien la zig. Ouais, putain, je suis parti du mauvais côté. J'aime bien la musique. J'ai envie de le faire durer juste pour écouter toute la musique. Je pense qu'ils ont pas filé, ils avaient pas filé la musique. Je crois que je l'ai eu sur Humble Bundle ce jeu-là. Oh putain. Ah, tu sais pas où aller, hein. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Ah bah oui, il est là. Oh, si j'arrive à le coincer dans un mur, dans un coin, vous croyez? Je me demande.
merde. Oh. Oh. Ça passait, mais bon. Non, je crois qu'il s'arrête parce que je suis mort, en fait. Ok. J'ai l'impression qu'il était resté un petit peu coincé sur le mur. Et là, je vois pas de technique particulière à part et la tirer pour que pour qu'il roule dans le bon sens et tenter le coup, quoi. Genre comme ça. Putain. Ah ouais, mais... Tu peux tirer un instant, mais il y a toujours un petit temps d'attente, en fait. Plus j'arme et plus ça va tirer loin. Regarde, si je fais... Si je fais juste ça, ça fait ça. Il faut que je fasse au moins. Donc c'est ça qui est chaud. Mais c'est ce que j'essaie de faire. Ce que je vais essayer de faire. Il faut pas le toucher, donc... c'est chaud. Quand il roule vers toi, il y a peut-être moyen de tirer dans l'œil avec un peu de chance, si dans le volant. Bah ouais, c'est ça. Mais en gros, c'est soit j'y arrive, soit je crève. Tu vois, il y a pas d'autre solution. Je peux pas tenter le coup et ne pas mourir. Et du coup, il faut que j'essaie de trouver la meilleure ouverture, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, là, par exemple, il y avait Mouaï. Là, il y avait Mouaï aussi, par exemple. C'était tout. Oh putain, c'était sur le côté quand même. C'est... Ouais. Hop. Easy, carrément. Merci. En fait, il faut juste que j'éteigne mon cerveau et que. Et que je me dise, faut se lancer en fait, c'est juste ça. Et il faut crever jusqu'à ce que ça passe. Ok, suivant. On va aller enregistrer ça, tchic, voilà. Donc j'imagine qu'il y en a à droite. Par là donc. Quel arrêt est-il, ok. Oh là là. Oh là là. Donc ça... Ah non, on meurt pas là-dessus, ok. Ça sent le geyser de flammes, là. Okay. Oh putain. Ok, je vois. Ok, faut le tirer dans le dos. Sur le derrière de la tête, putain. Oh! T'as tué combien de boss depuis le début du jeu? Je perds attention. Là, j'ai perdu le compte, en fait. J'en étais à 6 avant de commencer. Donc 6 plus 3, 9. Ça fait 10, là, si je me plante pas. Est-ce qu'on peut savoir? Je sais pas si on peut savoir. Je pourrais quitter vers le menu pour savoir. Mm-hmm.
Oh, j'avais une ouverture. Là aussi. Ah merde, j'essaie de passer derrière, mais c'est pas. Ouais, il semble évident qu'il fallait tirer dans son dos. T'as vu comment j'écris bien la France, mais carrément. Ouais, c'est sûr. Hein. C'est marrant parce que c'est rose. Ça me fait penser à. À Cuphead. Bon, même si Cuphead est sorti après. Hein. Mais du coup. Genre, à chaque fois, il faut choper les endroits roses. Une ouverture là, bordel, arrête! Espèce de truc quoi. Ah. J'arrive. Là j'aurais peut-être pu mais... Oh fuck. Forcément si je sors de l'écran aussi. Sexe. C'est chaud de trouver le, ouais, de trouver le bon moment. Mais pareil, il faut que j'éteigne mon cerveau. Et juste que je le fasse, quoi. J'essaie de changer de sens. Mais tu vois, je pense qu'ici je me lance jamais et je vais jamais y arriver. Donc il va falloir que je me force et je vais crever un paquet de fois et voilà quoi. Tiens, si je le prends par derrière direct. Ah, je peux pas. Ils sont pas cons les devs. Je vois pas l'ouverture, je vois vraiment pas. Merde. Oh. Je crois que j'ai une idée. Ouais mais... Ça va pas être gérable en fait.
C'est vrai que je peux pas passer en... J'essaie de le prendre à contre-pied en fait, c'est ça. Mais je vois pas. Attends, tu peux marcher vers lui au lieu de fuir. Je peux. Mais apparemment ça pique. Ah! Là, c'est ça qu'il faut que je fasse. Faut que je fasse ça. Faut que je fasse plus. Faut que je tente ça plus. On va. Voilà. Allez. 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 Pas comme ça. Il y a moyen de tester des trucs risqués. Bah, il n'y a pas trop le choix en fait. J'ai l'impression que c'est ça le truc qu'il faut commencer à intégrer. C'est que ce jeu là en fait, c'est pas Dark Souls. Il faut prendre des risques en fait. J'ai l'impression. Il n'y a pas d'histoire de grid là en fait. Tu peux pas. Je pense qu'il y a moi si je le. Si je le prends. Si je. Il faut que je gère bien mon contre-pied en fait. Mieux que ça. Faut un assistant pour te gratter le nez pendant que tu. T'as vu, c'est incalculable le nombre de fois où je dois me gratter le nez. Hein. C'est quand je suis stressé, hein, quand je suis stressé. Nez gratte. Il a changé de. Et là, ah! T'as vu, il s'arrête un peu quand il a fait ça de son tourbilol. Ouais. Qu'est-ce qui déclenche le tourbilol aussi? C'est aléatoire ou quoi? Ça allait passer là. Et bah non. Ah! Faudrait que je sois derrière quand il arrête de faire ça. Il fait. Oh là là. Je vais le refaire. Refais ton tourbillon, s'il te plaît. Refais! Ou est-ce qu'il faut qu'il aille sur un geyser pour le faire? J'ai fait un truc bizarre là. Okay.
Le tour de vis bleu est plus fort que YOLO. Tiens, tiens, tiens. Merci. Ouais, ouais. Faut compter. Ok. Donc ça fait... Il reste plus qu'un. Dans le monde des flammes. Donc, l'autre est en haut. Donc j'imagine que par là, on est arrivé par l'escalier. Je suis chaud là, c'est le cas de le dire. On est chaud là. Bah. Ok, je... Là alors, peut-être. Là, c'est pour sortir, en fait. Ah. Ici. Ouais, j'y pensais derrière la cascade, mais en fait, non. C'est loin, par contre, putain. Non, non, ça, c'est pour revenir. C'est pour revenir, là, en fait. Donc ça va être là, là. Non ? Là, c'est un autre ascenseur, bordel. Ok. Il y a peut-être une autre cascade de lave. Derrière la cascade, mais à l'étage en dessous. Ah. Pas con, c'est pas con. Ah, yes ! T'as probablement raison, Jimlao. Ça correspondrait. J'avais pas vu qu'on pouvait passer par là. Yes. Alors, qu'est-ce que... Oh là là. Bonjour. Oh là là. Hein. Ami de la randomification, bienvenue. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Faut que je tire dans la bouche, vous croyez? Oh, il a avalé la flèche! Ma flèche! What the fuck? What? Ce qui se passe. Apparemment, en utilisant le tir maintenant, je fais exploser la bouboule qui est à côté là. Faut que je... Ah, faut peut-être que je lui fasse bouffer cette bouboule là. Oh putain. Comment on va? Quelqu'un comprend là? Je capte pas du tout. Hein?
c'est la télékinésie après qu'elle ait explosé en boule. Ouais, j'essaye, mais ça marche pas. La tirer vers la boule, tu crois? Putain, c'est chaud! Ah. Hein? Je comprends pas. Ok, donc on lui tire la flèche dessus et après il faut la tirer vers... Il faudrait lui faire bouffer cette boule là en fait pendant que... Faut qu'elle explose dedans, c'est ça? Qu'elle lui explose de... dans le bide. Mais ah ok, je crois que j'ai une idée. Ok. C'est chaud. Oh putain, c'est ultra chaud. Il faut que la boule, elle lui pète dessus, quoi. Mais la logique ne mène à rien. Ouais, peut-être. Si ça quand même un petit peu. Quand même un petit peu, là. C'est tellement chaud. Moi, c'est pas dur de lui faire bouffer la flèche, non, c'est clair. C'est clair, mais le truc, c'est que les trucs qui crachent, c'est tellement random que c'est dur à prévoir de pas se faire toucher, en fait. Mise de l'autre côté, du coup. Je crois que je vois comment faire, mais... Oh là là! Oh là là, Marc! Qui arrive de bon matin. Coucou, Marc. Bienvenue. Sur Titan Souls. La revanche du fils. Du truc. Oh non, mais j'ai pas réussi à faire bouffer la flèche cette fois. Oh ouais, vas-y, je crève. Comment vas-tu, Marc? Bienvenue. Ok. Alors maintenant, c'est plus mes pieds qui me grattent, c'est plus mon nez qui me gratte, c'est mes jambes, c'est mes genoux. C'est fou quand même. Ah non, là c'est le... Non. Bah ça va carrément, Marc, on enchaîne les boss là, c'est cool. Ça fait plaisir. On a dit qu'on était à combien? 10? 11? Je sais même plus. Le grattage remonte, ouais. T'as loupé une quote. Hein. D'ailleurs, tiens, bah je... Il faudrait que je me rappelle, c'était quoi. C'est super chaud. Oh. Non. Ah. Non. Bah, il m'a bouffé.
J'ai pas mieux que de la tirer vers la boule. En fait, j'aimerais bien lui faire mettre la boule où je veux, quoi. Mais bon. Ah oui, c'était après le cucu du Yeti, la queue de la murène. Un truc comme ça. C'est tout. Voilà. Ça m'a fait marrer. C'est bien que je me fais rire moi-même. Hop. En fait, la boule explose que si on a des. Si il balance des. Ces trucs là-dessus, en fait. D'accord. Tirer la boule juste en face de lui. Peut-être qu'il faut que je le fasse. Est-ce que je sais pas. Ah ouais. Ah ouais, 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 non, carrément. Ah. Oh. Ah, en fait. Peut-être pas lui faire bouffer sa... la flèche, en fait. Je suis en train de me dire. Ouah putain, ouah putain. Voilà, Marc. Ça marque plus le jeu. Ah ouais. Pourquoi ça marque plus le jeu? C'est la quad sans... Ouais, c'est bizarre. T'as cru que c'était fini? Bah moi aussi, mais en fait non, il aurait fallu que je tire sur le cristal, je pense. Après, Jim Lao. Le cristal est rose. Maintenant, le truc, c'est que j'avais pas la flèche. Donc le temps de la ramener, la flèche, c'était un petit peu mort. Oh là là, je comprends pas. Donc en fait... Il a peur de moi en fait. Oh merde. Il faudrait... Après il faut tirer sur le cristal. Mais je me demande si du coup il y a un intérêt à lui mettre la flèche dans la boubouche. À la bébête. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de ça. Attends. Juste l'envoyer sur Ah ouais, d'accord. En fait si, parce que sinon on peut pas le diriger comme correctement en fait. Ok, c'est chaud. Il va falloir redoubler d'ingéniosité. J'ai oublié la commande pour mettre à jour la côte, ajouter le jeu. Bah ouais, je sais pas, mais pourquoi ça met plus le jeu, c'est vrai, ça... Marc... Est-ce que c'est juste après 100, y a plus le jeu? Je crois que je me suis fait sprouch. Je me suis fait sprouch la tronche. Okay.
côte. Oh putain, côte, le numéro de la côte, espace, le jeu, peut-être. Enfoiré, va. Non. Oh la vache. Putain. Non, ça marche pas. Ok. Je ne sais point. C'est pas ad game. Peut-être. Franchement, je l'ai jamais fait moi, donc. Oh la vache. Quote edit game, nom du jeu. T'as essayé quote espace point d'interrogation? Si ça donne le LED. Oh merde, putain, je me tue tout seul. Quote pour l'interrogation. Non, ça non, ça marche pas. OK. Quote, non. Sinon, je pourrais aller voir le site de Mioka. Seconde, je vais aller rapidement. Alors, bah, il a pas documenté le quote. Enfin, je dis, tant pis. On ne saura pas. Tant pis. Allez. Je dois faire ce boss, nom de Dieu. Tiens, je voulais remercier aussi. Ah merde, c'est pas. Je suis monté trop. Là. Je voulais remercier un certain Leap Fidei, Fidei, qui a suivi la chaîne hors stream. Si tu n'es pas un bot, je te remercie. Ouais, bon, faut me demander à l'Unicode. Je voulais lui parler de 2-3 trucs d'ailleurs. Putain, c'est chaud. T'as chien. Ah! Non, 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 non. Putain. Regarde, tu peux regarder sur son... sur le Discord de Mioka aussi, je crois qu'il avait mis... il avait documenté en fait là-bas comment se servir des quotes, il me semble. Mais il a pas dû l'acheter à son site en fait. Pas dessus, ok, bon bah tempi. Tempi.
Et ça se trouve, ça met plus le jeu parce que c'est arrivé à la 100 et ça déconne. Mais je pense que normalement, il a fait en sorte que ça mette le jeu, quoi. Oh là là! C'est pas facile celui-là en fait, hein, parce que il y a plusieurs trucs à faire là. J'ai réussi pour l'instant deux fois à lui à le mettre en cristal. Mange ma flèche! Vilain va! Ah, tu t'es endormi, OSC, bah... Et bah, va te coucher, alors, effectivement. Bonne nuit, OSC. Merci d'être passé, merci encore pour le host. Et puis, à la prochaine. De toute façon, il est bientôt l'heure, là. Moi, je veux buter, lui. J'arrive, ou... Mais genre... Ah mais il a avalé? Ah non. Oh putain. Prends-moi ma flèche. Ah, c'est chaud. Ouais, c'est trop tendax là. Je t'en prie, par contre, je l'avais bien. Oh là là. De jeu. Chier. C'est franchement pas facile parce que il se dirige pas vraiment comme je veux en fait. Ok. Oh putain. En fait, c'est impossible si elle a boulé contre un mur. Ouais, c'est pour ça, il faut que je veux la mettre, je veux qu'il la mette devant lui. Mais c'est pas facile parce que en fait, il aspire. Du coup, j'ai une chance de rentrer dans son bidon. T'as posté sur son Discord ami, ok. Ok, cool, merci Marc. Ça m'évitera d'avoir à le faire. Du coup, GG. Là, c'est tellement plus facile. Voilà. Ah! Yes! La flèche était juste à côté. C'est magnifique. C'est magnifique, Thierry. Oh oui. Oh oui, on aime. Oui. Rends-moi. Aïe, ma flèche.
C'est cool. Celui-là m'a fait plaisir, là. Merci. Ouais. ça torche. C'était un boss facile, comme tous les autres, en fait. Ils sont plus faciles que Midir. Enfin, ils sont aussi faciles que Midir, pardon. C'est par là ? Ouais. Suivant ! Par contre, est-ce que je l'ai... Je sais pas si je l'ai validé. J'ai peut-être pas... Potentiellement, je l'ai peut-être pas validé, en fait. Enfin, il faut peut-être que je le valide et que je l'amène sur le bind, en fait. Sur la plaque. Je préfère le faire au cas où. Et là, ça reset le boss. Je reviens en arrière, là ? Ah. Tu crois ? J'ai pas... J'ai pas vu. J'ai pas vraiment regardé, en fait. Ouais, voilà, 3, ok. Nickel. Magnifique. Y'a quoi, là ? Aïe. Bah, y'a rien. Y'avait une route en haut à droite, mais je pensais que je venais de là, non ? Je pensais que je venais d'en haut à droite, justement, non ? C'était quelle couleur ? C'était bleu, non ? Attends. On avait pris l'ascenseur, ouais, mais... Ok. Ok. On avait pris un ascenseur, mais... Il me semblait qu'il n'était pas de cette couleur-là, en fait. Il me semblait qu'on avait pris un ascenseur et après qu'on avait pris ça... Mais je peux me planter. Y'a quoi par là? Oh, tu as raison. T'as raison ou... T'as pas raison. On a fait ça déjà ou pas? Ça me dit quelque chose. C'était au tout début? Ah, on l'a déjà fait, ouais. Ouais, c'est le tout début, ça. C'est là où on avait fait la toute première fois, toute première fois, toute première fois. Là, on avait été mobissé. Ouais. Super open world. Il y a quoi ? On avait calculé combien il y avait de zones, non ? En fonction du nombre de bitonio, là. Faut te souvenir où t'es déjà allé. Bah ouais, mais c'est pas facile, en fait. C'est même plutôt le truc le plus difficile, en fait, du jeu. What ? Je sais pas ce que c'est que ça. Je ne m'en rappelle plus. Petite balade vers la nouvelle zone et on arrête. Ouais, je pense que ça va être ça. Aller voir un petit peu où est-ce qu'on doit aller. S'arrêter, tenter de faire un ou deux try de boss. Et puis, puis un petit dernier run et puis voilà quoi. C'était mon idée effectivement. Oh. Ah. Voilà. Le cimetière. Bonjour, tu es qui ? Ok, piou. Piou, 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 piou. Ok. Faut tirer dans le cucu lui aussi ? Oh putain. Oh bah là il... Ok.
Je pense qu'il va falloir le faire en retour là. Oups. Ok. Ah non ! On tourne à l'inverse de lui. Ah, c'est pas con, mais il va. À voir. Faut que je le rattrape, c'est ça ? Oh ! What ? Ouais, non, mon idée c'était de lui mettre une flèche derrière et de la tirer vers moi en fait. Mais Marc a soumis une idée qui me paraît pas idiote non plus. Je vais essayer la mienne quand même. Parce qu'en fait, il reste tout le temps au même endroit. Genre là. Oh putain, mais c'est tellement facile de les éviter que. Mac je... Merde! Abusé! Ah non, ça marche pas, dites donc. Ok. Voilà. Là, j'ai l'impression que on peut pas. Merde. Non. Alors là. Tout ce qu'il fait. Oh si, il faut le tirer dans la bouche quand il tire. Ok, j'ai capté. Ouais, il faut le tirer dans la bouche en fait quand il ouvre la bouche quand il balance les piou-piou en fait. Mais Oh. Ok. Ah oh, putain. Remarquez. Non, peut-être pas en fait. Non, je crois que c'est peut-être dans. Ouais, mais c'est dans son dos, mais à un moment particulier, non? Je vois pas trop comment aller dans son dos en fait, j'ai. Tiens, regarde. Genre, il veut vraiment pas quoi. Les boss ont tous un point faible rose. Jusqu'à maintenant, ouais. Jusqu'à maintenant, c'est rose, le... effectivement. Quand dans l'autre sens, bah. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Comme ça, là. Mais oui, mais. Il me fait tout le temps face! C'est pas le problème de dans un sens ou l'autre, il fait tout le temps face. Enfin, j'ai l'impression, non? Faudrait peut-être le réussir à le prendre à. Et c'est... Oui, oui, c'est ce que t'as proposé, Marc. Il faudrait peut-être le prendre à contre-pied, mais. Il va plus vite que moi, en fait. Et... Ouais, ouais, il regarde tout le temps, exactement. Ça... Ouais, mais ça change rien au final, Marc, puisque. Non, je... Oh putain, le jeu triche. le truc c'est que le point rose, il est pas évident si c'est pas tout son derrière.
marche pas non plus, hein. Non, regardez. Ça marche pas non plus, le coup du... Mais on voit que ça bouge, en fait. En tout cas... De derrière, on voit la bouche qui est rouge. Donc c'est derrière qu'il faudrait... Putain! Sinon, ma tente de coller la flèche dans la mur et de la tirer. Bah, c'est ce que j'ai fait, Jim, là-haut. Essayer de le tirer. J'ai posé la flèche au sol et j'essaie de la tirer pour la récupérer, mais ça se cogne sur lui et ça fait. Ça fait rien, quoi. C'est un aspirateur autonome, en fait, il nettoie la salle. Je pense qu'elle est propre depuis le temps. Je vois pas ce que tu veux dire de plus, que tu veux que je fasse de plus que ce que j'ai fait tout à l'heure, en fait. Oh. Peut-être lui faire détruire un truc. Non, depuis le temps, ça, y a le truc, il aurait été détruit. Ou alors, il faut la tirer au bon moment, en fait. Genre, par exemple. Normalement, il se met là. Tu vois, ça se bloque contre lui. Donc, je comprends pas. Pose la flèche contre le mur en haut, bien au milieu, et attire-le quand c'est... C'est ce que j'ai fait. Je viens de le faire. Et ça se bloque contre lui et ça fait rien. Après, peut-être qu'il faut un ricochet. Mais sinon, je... Ah, oh, putain. Non, je... Je vois vraiment pas... Là... Ouais, ricochet dans le mur, mais... C'est chaud parce que, regarde, si je tire comme ça, le ricochet, il est pas fort, quoi. Il faut une putain de visée, quoi. Waouh. Olé. Peut-être qu'en fait on peut lui faire uniquement s'il est en train de bouger, en fait, ou... Il se passe quoi si t'arrêtes de tourner? Tu veux que j'arrête de bouger, c'est ça, Marc? Bah, je meurs. Si j'arrête de bouger. Tester un truc ouais, rapide parce qu'il va falloir que j'arrête. Si j'esquive sans tourner, lui il tourne. Lui il tourne et il va toujours avoir la tête vers moi, en fait. Voilà.
Ok, je pensais que les pierres elles étaient différentes, mais elles sont tout le temps pas toutes les mêmes. Oh putain! Non mais arrêtez de tourner en même temps que lui tout en évitant ses attaques pour voir s'il tourne toujours et que tu te retrouves derrière lui. Ah bah t'as vu? Je pense que je l'ai montré là tout à l'heure. Regarde, je vais le refaire. Donc il est là. Oh putain. Il tourne. Il tourne. Ouais. Non. Il va toujours avoir la tronche vers moi en fait. Dès le départ, pose la flèche contre un mur, mets ton perso contre le mur opposé. Attire la flèche vers le boss, il se réveille et attire encore la flèche. Ah! J'aime bien l'idée. Ah mais il se réveille mais il tourne par quel côté? Ok. Ok. Merde. Comme ça. Ouais, il reste toujours face à moi, ouais. Ah, non, parce qu'il se déplace d'un côté. Mais c'est pas idiot, j'ai bien. L'idée était intéressante. Oh! 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 En fait, oh, il me tape pas. Oh! Attends là. Oh là là. Se mettre à gauche. Avec la flèche à droite. C'est plutôt le contraire, non? Je me mets plutôt le contraire. Ouais, c'était quoi ce tourbillon là? Ouais, attends. Non, pareil. Ah! Merde. Non, apparemment, il m'écrase pas. Enfin, il me tue pas quand il me touche. Donc, si ça se trouve, j'ai moyen. Je sais pas si c'était un glitch ou quoi. Là, il doit m'écraser si je fais ça, par exemple, mais. Chaud parce que... Ah! Je pense que c'est pas normal. En posant la flèche à droite et en attirant la flèche en étant à gauche contre le mur. Posant la flèche à droite. Dans l'autre sens, quoi. Ah mais c'est abusé là. Ah bah GG gym là-haut pour le coup. Non, je me demande s'il y a... Je sais pas s'il y a d'autres façons de le faire. Coucou Rio, bienvenue. Coucou Lumi, bienvenue aussi. Bon. Ce boss là est accordé à gym là-haut. Ah, j'ai tous les autres, hein. Mais celui-là, je pense que si gym là-haut... Voilà. Ah là, GG. Il était où l'autre? Faut que j'arrête, faut que j'arrête. Bon, il y a Lumi et Ryu qui viennent d'arriver. On va faire quelques runs.
Histoire qu'ils en aient pour leur argent quand même. Faudrait savoir où c'est déjà en fait, surtout. Et là, le tellement simple. Ah, c'était pas. Oui, oui. Quand on y pense comme ça, c'était pas dur. C'est pas par là, à mon avis. On revient là, on est d'accord. Ouais. En final, ils sont pas trop compliqués, les boss, à partir du moment où. Pff, voilà, j'ai capté comment faire et. Et puis après, c'est juste de le faire, quoi, mais. Enfin, ils sont pas trop compliqués. Ah! Je me disais, qu'est-ce que c'est que cette petite portion de terre? Où suis-je? Oh, ouh, ouh, ouh là là! Fallait sûrement lancer la flèche pendant le fight et la tirer en expérience, ça touche vite le dos. Ouais, bah ouais, ouais, j'imagine, c'est ce qu'on a essayé de faire. Ouais. J'arrive pas à dormir à cause de la sickness, c'est horrible, je sens à peine mon bras droit, j'ai du mal à dormir dessus. Mais encore, mais t'as été chez le médecin, Lumi? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ok, c'est pas par là. Qu'est-ce qui se passe, là? Je change de zone, là, en fait. Je veux pas changer de zone. Est-ce que je veux changer de zone? Non, je veux pas changer de zone. Ah? Encore une âme brisée en quête de vérité. Moins lourdement armée que la précédente. Vous avez payé un lourd tribut. Il est vrai. The fuck. Pour cette abomination dans votre carquois. Et pourquoi? La connaissance? Le pouvoir? J'espère que ça valait la peine. Faites ce que vous avez à faire. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui parle dans ce jeu. C'est simple. C'est chaud. Est-ce qu'il faut que je fasse ce que j'ai à faire ou je comprends pas? Déjà de cumuler une branche, t'as un nez bouché. Ah, merde. Est-ce que je... Parce que là, j'ai l'impression qu'il... C'est un passage... C'est un truc secret, là. C'est pas possible, parce que... Vous avez vu comment je suis passé... Comment je l'ai chafouiné, le passage, là. Ouais, il y avait des... Ouais, j'ai vu... Je voulais juste pas y aller, hein. Je voulais attendre qu'il finisse de parler. Genre, je le fais? Allez, je le fais. Ça m'a juste filé une âme de plus, en fait. C'est un passage secret que personne connaît tellement il est inconnu. En fait, c'est ça, je pense que... C'est un boss en lui-même, en fait, dans le sens où il faut aller le trouver, quoi. Ouh, je vois ça comme ça. Je vais me planter, mais... On va passer à droite? Non, ça change rien. En tout cas, bah ouais, c'était un titan, quoi. On a buté un titan. Âme gratuite, voilà. Ouais.
Ça se trouve, il y a des gens qui se galèrent. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais pour y aller, fallait le voir le truc, hein. Le petit lopin de terre. Hein. Je suis plutôt fier de moi, je dirais. Bon. Tout ça, ça nous aide pas à savoir où est le dernier titan sur la zone où on était, en fait. On va chercher ça. Et après, on arrête. Oh là là, putain. Oh là là, putain. Hier soir, j'ai regardé sur YouTube un document de Chine. Le groupe a traversé de sacrées épreuves, quand même. Ah. M'étonne pas. Comme nous tous. Ok, par en bas. Hop. Bon, du coup. Du coup, c'est par où, nom de Dieu? Ah, bah ça y est, je les ai toutes les deux, en fait. D'accord. Ok. Aïe. Donc c'était une condition. Il fallait trouver quoi. Ok. Bon. Donc je me casse. On est d'accord. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 mondes de fini. C'était cool. C'est toi qui est cool. Je vais à droite avant de grimper. Des arbres. Ouais, mais j'ai des arbres. Je me sens tout arboricole soudainement. Une nouvelle zone. Non, c'est toi cool. Non, c'est toi cool. Bon, ok, c'est nous cool. Et ben voilà. Oh, la jolie musique. Par la gauche. Bois perdu, ouais, je crois que c'est... Oh, fait chier! Oh! Merde! Heureusement que la zik est cool, hein. Ah bah merde. Ok. Bon allez, on se la refait. On fait gauche. On va faire gauche. Donc c'est pas ça. Donc on va faire gauche. Haut. Gauche, haut. Gauche. Non. Gauche. Haut. Droite. Non. Gauche. Oh. Oh. Gauche, oh, oh. Et c'est là. Bonjour, un champignon. Ah. Ah. Gauche, oh, oh. Et enfin, je le note parce qu'à tous les coups... Voilà, voilà. Fuck, fuck.
Il a son cristal rose dans le dos. On tente ma technique. LOL. Elle est trop bien cette zik. Là, ils ont changé le chemin. Putain, ça serait... Ouh là là. Ok, on retente ta technique. Non. Oh, merde. Là, si le truc, il tourne, là. Ah, fais chier. Oh, bordel. En fait, ça se voit, regardez, il y a les champis. Si on l'avait su depuis le début, on aurait su qu'il fallait suivre les champis. Ok. Bon, ça part en diagonale, bordel de merde. Oh! 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 Oh, oh mon dieu! Oh mon dieu, elle est toute droguée là, là! Ah putain! Oh, il déconne pas, lui, hein. On n'a pas trouvé le chemin de l'autre titan, c'est vrai. Le titan, il serait à droite. Oh. Ok, donc droite. Bas. Non. Droite. Droite. Oh, Bah, ah, mais c'est droite gauche alors. Droite gauche. Yes. Droite gauche. Oh. Pardon. Droite gauche. Oh. On va regarder ce qu'il donne celui-là. Ça, on saura pour la prochaine fois. Merde, putain, ça fait mal, arrête. Donc on a le champi et... Et la plante carnivore. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oh! Oh! Mais je tire sur quoi, là, bordel? Ah, merde. Cette plante, tu l'as vu en screenshot, ouais. Il y avait un chemin dans, directement en haut. Je sais plus. A voir. Haut. Intéressant. Oh. What? Oh, droite, droite. C'est que ça. Oh, droite, droite, mais c'est pas fini. Oh, droite, droite. Droite. Là.
Ah, au droit, droite, gauche, alors. Oh, s'il y a quelque chose, quoi. Droite. Je me suis planté là ou quoi? Oh. Ouais, j'ai déjà testé en droite. J'ai déjà testé droite aussi. Droite. J'ai testé bas, j'ai testé partout. Donc c'est juste pour aller là en fait. Ok. Je vais le noter quand même au cas où. Juste pour le dessin, ouais. Oh, droite, droite. Bon. Lequel on se fera en premier la prochaine fois? Le champi. Ouais, on se fera le champi en premier. Et allez, on va le faire une dernière fois. Dernier run. Gauche. On se montre qu'un cristal est tombé sur la plante. Là, t'en sors en bas, ça va voir, ouais. Je m'en fous moi de l'histoire, attends. Ce que je veux c'est taper des boss moi. Allez. Oh, oh putain, il y a une coucouille, il y a une spopore. Ah putain, il y a une spore rose. Faut tirer sur la spore rose à tous les coups. Bah allez, ça suffit maintenant. Bien, j'ai ça suffit. On va tester ma technique en te mettant bien en bas, tirant la flèche. Ouais, on verra. Attendez, je vais regarder. 14 boss, 231 morts. 4h43. C'est pas si pire. Et si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était Tilkinou avec l'épisode numéro 2 de Titan Souls. Merci beaucoup et à la prochaine.